Coucou tout le monde, je vais d'abord vous souhaiter une très bonne année et aussi une très bonne santé, car c'est très très important, la santé. Quand on n'a pas la santé, il n'y a rien qui va. Donc j'espère que les fêtes se sont bien passées, que vous avez profité de toute votre famille, et j'espère aussi que cette nouvelle année sera meilleure que la précédente, à tout point de vue. Donc aujourd'hui, on va faire le premier tuto de l'année 2024. Donc ce sera des moufles. On va donc faire sur la LK150, comme vous voyez. Donc encore pour pas changer, hein, c'est vraiment pas du tout la couleur de ma laine. C'est un vert pétrole et vous voyez bleu, un bleu roi. Donc il n'y a pas moyen. J'ai essayé de mettre les lumières et tout, mais ça rend rien du tout. Donc tant pis, on va faire comme ça. Mais c'est un beau bleu pétrole. De toute façon, je vous mettrai une photo pour que vous voyez vraiment la vraie couleur. Je mettrai une photo dans la vidéo. Voilà, donc on va employer la laine 100% acrylique, 50 grammes, 150 mètres. Alors, vous dire où je l'ai eu, je ne saurais pas. Je ne saurais pas vous dire, je ne me souviens plus. C'est une laine que j'avais dans mon armoire, hein, avec toutes mes laines. Donc c'est une laine qui se tricote à 4, 4,5. Donc elle va très très bien pour la LK 150. Et moi je vais la tricoter en 4 pour les côtes et le jersey. Voilà. Alors c'est une moufle, bah, je l'ai fait pour ma main, pour ma taille de main. Donc j'ai pris la hauteur du pouce. J'ai pris la hauteur ici, de là jusqu'ici, jusqu'au majeur, la plus grande hauteur. Ensuite, ben, j'ai pris le tour de la main, la circonférence ici, là où c'est le plus large, ici. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai pas, bon, j'ai pas une grande main, mais j'ai pas une petite main non plus. Donc vous, pour être sûr, vous prenez vos mesures. Voilà, le tour ici, là où c'est le plus large, la hauteur du majeur jusque la base du poignet, et puis la hauteur du pouce ici, du creux jusque là. Voilà, et puis après là vous faites votre échantillon et vous ferez la règle de 3 comme on a déjà expliqué pour pouvoir avoir le bon nombre de mailles et de rangs à réaliser pour faire votre moufle. Alors pour cette moufle, on va mettre, je vais régler ma densité à 4 sur le chariot, on va mettre 20 mailles. On va mettre son compteur à 0. Voilà, donc 20 mailles. 10 à gauche et 10 à droite. Et on va faire des côtes de 1. Donc on va travailler avec deux aiguilles, une heure travail, deux aiguilles, et ainsi de suite tout le rang. Voilà, comme ça. On va enfiler son guide fil. Donc ma densité, elle est sur 4 sur le chariot. On va faire un enroulement en E. Donc on va mettre ces aiguilles en haut. Alors prenez un tout petit peu de laine en plus, puisqu'on va devoir coudre le haut de. On va devoir coudre la hauteur des côtes, comme je vous ai dit. Donc on fait un enroulement en E. J'espère que vous voyez bien parce que bien sûr j'ai dû allumer hein. Avec le temps qu'on a fou, ici c'est catastrophique, on voit pas clair de la journée. J'espère que ça va aller pour la vidéo, la lumière, parce que c'est pas évident à régler pour bien voir.
J'espère que comme ça va aller. Donc on met son bouton de rappel ici sur le 2 et on va faire un rang. Donc on fait un rang. On va mettre son peigne. Voilà. Et donc on va faire 36 rangs. Voilà, comme ça c'est mieux. Vous voyez mieux. Donc comme je vous disais, on dépose comme ça, vous voyez. Celle-là, on va la déposer sur l'aiguille qui est hors travail. Celle-là. Prenez un brin de laine du montage. Voilà. Et la dernière, on la dépose ici. On va remonter ces aiguilles. Alors, j'espère que je vais reculer un peu. Je suis désolée, mais j'essaie de me régler pour que vous voyez bien. Là, ça va mieux. Je m'approche un peu. Voilà. Pour l'instant, ça va. Après, je rezoomerai pour vous montrer le. Parce que là, j'ai installé un système. Oh, ça tient pas tellement. Hein. Voilà, tant que ça tient, ça va. Donc. Voilà, donc on a fini nos côtes. Donc on a monté toutes ces aiguilles. On va remettre son compteur à zéro. Voilà, donc notre densité toujours sur 4. 4 pour les côtes et pour le jersey. C'est la même densité. Donc maintenant, on va tricoter. Bon, ici, on a fait le poignet. On va tricoter d'après le poignet jusqu'au début du pouce, jusqu'avant le pouce. Donc, on va faire 22 rangs en jersey. Voilà, donc on a fait nos 22 rangs. Alors, maintenant, on va faire le pouce. Donc, pour le pouce, on va le faire sur cette maille. Donc, on va mettre toutes les aiguilles côté gauche en attente. 2, 4, 6, 7. Cette maille ici. Et on va rajouter cette maille. Donc on fait un montage en haut. Voilà. Je peux peut-être zoomer un peu comme ça. Voilà, donc on va tricoter sur nos 14 mailles, puisqu'on en a rajouté 7. On ne va pas oublier ces deux mètres, ces boutons de rappel sur 1, parce que si on les laisse sur 2, forcément qu'on va tricoter les aiguilles qui sont en attente. Donc on va abaisser celle-là un peu pour pouvoir les tricoter, comme ça. Alors pour le pouce, 22 rangs pour jusque le pouce. Et on va faire 20 rangs sur les 14 aiguilles. Voilà, on a fait donc 20 rangs. Alors maintenant, on va... aiguille. On va couper son fil. Et on va ramasser les aiguilles
les mailles une par une, comme pour quand on finit un bonnet, vous savez, le haut du bonnet. On ramasse les mailles. Voilà, on tire son fil. Donc là, vous voyez, on a son pouce. Notre pouce, il est fait. Vous voyez? Donc, on va mettre, on va retirer cette aiguille. Quatre, six, sept. On va retirer les sept aiguilles qu'on avait ajoutées. Et ici, on va plier comme ça, ici. Et on va rajouter ici les sept mailles sur les sept aiguilles. Deux, quatre, six, sept. Donc, vous voyez, vous pliez le pouce. Donc on a notre pouce comme ça, on plie, on le plie en deux, et on va rajouter les sept mailles ici. Donc on reprend les mailles qu'on a fait le montage en U. Et 7. Voilà. Voyez, on a rajouté nos 7 mailles avec les mailles de avec les, le montage en U. On prend un fil du montage. On remonte ces aiguilles. Voilà. On remet sa laine dans le chariot, dans l'encoche du chariot. Donc maintenant, on va tricoter la partie droite, toute droite, hein, la partie ici, de ici, jusque au début, ici des doigts. À peu près, moi j'ai fait 36 rangs. D'ici 36 rangs. Pas jusqu'ici. Parce qu'après, vous allez voir, on va mettre on va faire des rangs raccourcis pour le bout de la moufle. Donc à partir du moment où on a redéposé ici ces 7 mailles pour le après avoir fait le pouce, on va faire 36 rangs. Donc on peut remettre son bouton de rappel sur deux pour sauter sur toutes les mailles. Alors on remet bien sur son compteur à zéro et on fait 36 rangs. Voilà, on a fait nos 36 rangs. Donc, alors, ici sont les côtes. Ici, c'est les 22 rangs qu'on a fait avant le pouce. Ici, on a notre pouce. Voilà. On a repris les mailles comme je vous ai montré ici. Et maintenant, on a tricoté jusque avant, voyez, avant, à peu près au niveau du petit doigt. Moi, j'ai fait comme ça. Voilà. Alors, maintenant, on va travailler en rang raccourci. Comme on fait un petit peu pour la pointe des chaussettes. Donc,
On a donc fait nos 36 rangs. Donc, on remet son compteur à zéro. Voilà. Donc, on va tricoter en rang raccourci en faisant côté opposé au chariot. Alors, oui, il faut remettre ces boutons de rappel sur le 1, surtout. Comme ça. Donc, on va monter des aiguilles côté, toujours côté opposé au chariot. Donc, ici, on va monter deux aiguilles. Deux aiguilles. On va faire un rang. On va passer sa maille sous la première aiguille. On va monter deux aiguilles côté opposé au chariot. On va faire un rang. On va passer son fil sous la première aiguille. On va monter une aiguille côté opposé au chariot. Et on va faire un rang. On va passer son fil sous la première aiguille et on monte une maille côté haut, une aiguille côté opposé au chariot. On passe son fil sous la première aiguille, on monte une maille, une aiguille, pardon, côté opposé. On passe son fil sous l'aiguille, on monte une maille côté opposé au chariot. Et on fait un rang. Alors on peut mettre des poids. Comme ça. Donc on fait un rang. On passe son fil sous son aiguille et on monte une aiguille. On passe son fil sous l'aiguille. Et on monte une aiguille. Donc ici, vous voyez ici, on a commencé par deux aiguilles, une aiguille, une aiguille, une aiguille. Donc on doit mettre quatre fois une aiguille. Après avoir monté les deux aiguilles, on doit avoir quatre aiguilles de remontée de chaque côté après les deux aiguilles. Donc ici, je repasse mon fil sous l'aiguille et je monte une aiguille. Je passe mon fil sous l'aiguille et je monte une aiguille. Et un. Donc, comme je vous dis, donc ici, je repasse mon fil sous l'aiguille, bien sûr. Donc, voyez, vous devez avoir deux aiguilles et une, deux, trois, quatre aiguilles qu'on a remontées une par une. Ici, pareil, deux aiguilles. Au début, on a monté deux aiguilles. Et après, on a une, deux, trois, quatre qu'on a remontées une par une. Maintenant, on va faire comme pour la pointe d'une chaussette, en fait. On va redescendre ces aiguilles. Donc ici, côté chariot, on passe son fil sous l'aiguille. Essayer de zoomer un peu. Donc, on passe son fil sous l'aiguille et ici, on va descendre l'aiguille. On passe son fil sous l'aiguille, on redescend l'aiguille côté opposé au chariot. Un rang. On passe son fil sous l'aiguille, on redescend l'aiguille côté opposé au chariot. Un rang. On passe son fil sous l'aiguille. Côté chariot, bien sûr, côté où il y a le fil, et on redescend côté opposé au chariot. Un rang, on passe son fil sous l'aiguille, on redescend l'aiguille côté opposé au chariot. Un rang, on passe son fil sous l'aiguille, on descend l'aiguille côté opposé au chariot. Un rang, on passe son fil sous l'aiguille, on descend l'aiguille côté opposé au chariot. Un rang. On passe son fil sous l'aiguille, on descend l'aiguille opposée au chariot. Un rang. Alors ici, il nous reste les deux mailles qu'on avait mis en attente. Donc ici, on passe son fil côté
son fil sous l'aiguille côté chariot. Et ici, on va redescendre les deux d'un coup, puisqu'on les avait montés les deux ensemble. On fait un rang. Et ici, on les redescend aussi ensemble. Et on refait un rang. Voilà. Donc, vous voyez, on a... Je vais vous montrer. Vous voyez, on a la pointe de... Voilà. Vous voyez, ça fait comme un talon de chaussette. Ou une pointe. Une pointe de chaussette. Vous voyez, ça fait, on a fait le haut de la moufle en rang raccourci. Alors maintenant, on va faire de façon à fermer la moufle. On va tricoter de façon à fermer la moufle. Donc je vais remettre un peu plus loin, comme ça. Voilà. Alors vous voyez, ici on est, on va remonter toutes les mailles ici. Avec le fil, pas qu'il embête. Toutes les mailles ici, jusqu'aux côtes, on va remonter pour fermer la moufle de chaque côté, ce qui nous évitera d'avoir une couture à faire. Alors, pour ça, on va donc reprendre, bon, pour ici, on va reprendre, allez, je vais rezoomer, en espérant que vous allez bien voir. Donc, vous voyez ici, on a le fil. On va le prendre comme ceci. Et on va le déposer. Ici, on va faire la même chose. Ici. Et on va le prendre comme ça. Et on va le déposer sur l'aiguille. On va faire un rang. Donc là, on remet son compteur à zéro. De façon à ce qu'on va ici jusqu'ici, comme on a fait 36 rangs jusque ici, avant après qu'on ait fait le pouce, on va remonter ces aiguilles ici, ces mailles tout le long ici. Alors maintenant, là vous avez remonté, donc vous avez mis la maille ici et celle-ci, vous avez fait un rang. Donc maintenant, on va prendre. On voit pas très bien. Attends, je vais essayer de mieux. Voilà, comme ça. Donc, vous voyez ici, on a toute la lisière. Ici. Donc, on ne prend jamais ce fil ici. On ne le prend pas ici, le fil, le grand fil ici. On prend juste ici, la maille en dessous. Regardez. Vous voyez, celle-ci. Mais on va la prendre deux sens là. Comme ça. Et on va la déposer sur l'aiguille. Comme ça. Ça, je vous montre ce côté-là, comme ça vous voyez mieux que là. Voilà. Voyez, on va la prendre comme ça. Et par ici, on va la prendre comme ça. Donc, on va toujours remonter une aiguille côté opposé au chariot. On fait un rang, on remonte une aiguille côté opposé au chariot. On remonte une maille. Donc ici, on est de ce côté-ci. On va remonter l'aiguille ici. La maille ici. Donc on va la déposer sur l'aiguille. Comme ceci. On fait un rang. On va faire la même chose ici, côté toujours opposé au chariot. Donc on prend son fil. Ici et on la dépose sur l'aiguille. Ici. Vous voyez ici le grand fil, on ne le prend pas, on prend celle-ci. On prend le brin de fil ici. La maille ici. La maille lisière, on prend le fil qui se trouve côté intérieur. Et on fait comme ça. Donc ici, on va ici et on prend le fil côté intérieur. Vous voyez, ici on a la maille. Ici, on a la maille lisière ici.
mais on prend que le fil ici, le fil qui se trouve côté intérieur. On fait la même chose côté droit. Donc ici, le grand fil, ici, on ne le prend pas. On prend celui-là. On le prend comme ça et on les dépose comme ça. Ici, le grand fil, ici, on ne le prend pas. Ici, on prend la maille en dessous. Le brin de la maille côté qui se trouve côté intérieur. Et on le dépose. Ici, le grand fil, on ne le prend pas. On prend ici le brin de fil qui se trouve côté intérieur et on le dépose sur l'aiguille. Donc ici, on va déposer celle-ci. Donc on prend, vous voyez, le grand fil ici. On ne le prend pas. On va vite sous l'autre rang prendre le fil qui se trouve intérieurement et on le dépose. Ici, on fait la même chose. Le grand fil ici, on ne le prend pas, on prend la maille en dessous, comme ça. On va remonter comme ça tout le long, qui va nous faire une moufle un peu tricotée, un peu en circulaire, si on veut. Donc le grand fil ici, on ne le prend pas, on prend la maille ici. Ici, on fait la même chose. Le grand fil ici, on ne le prend pas. Voyez. Le grand fil ici, on ne le prend pas. On prend la maille ici, en dessous. Et on fait un rang. Ici, on fait la même chose. Le grand fil ici, on ne le prend pas. On prend la maille ici. Ici, le grand fil, on ne le prend pas, on prend la maille ici, hop, et on dépose sur l'aiguille. On fait toujours un rang. Ici, le grand fil ici, vous voyez, on ne le prend pas. On va prendre la maille, le brin de laine ici, qui se trouve, ici on a la maille lisière. On va pas prendre la maille entière, on va prendre que le fil qui se trouve ici à l'intérieur. On va faire un rang. Donc on va remonter comme ça jusqu'au bout. Donc ici. Voyez le grand, on a un grand fil ici. Il faut vous repérer, c'est à ça. On a un grand fil ici, on le prend pas. Le grand fil, on prend la maille en dessous, le brin de laine de la maille en dessous, comme ça. Vous voyez, ici on a le grand fil aussi, on ne le prend pas, on prend le brin de laine ici en dessous, du rang en dessous. Voilà. Là, on a l'autre brin de laine et on prend celui qui est toujours côté intérieur. Donc, je vais vous montrer. Vous voyez, on est en train de refaire les côtes. Donc, je vais dézoomer un peu. Voilà. Ça. Donc, on va reporter une maille
sur une aiguille pour reformer notre côte de 1. Donc on a deux aiguilles en travail, une aiguille hors travail, deux aiguilles en travail, une aiguille hors travail. Une, deux, la troisième, on la déporte sur l'aiguille. Une, deux, la troisième, on la déporte. Voilà. Donc maintenant, on a... On a reformer nos mailles, nos aiguilles pour faire nos 36 rangs de côte. Voilà, donc je vais faire mes 36 rangs de côte et je vous reprends après. À tout de suite. Donc j'ai fini mes 36 rangs de côte. Alors ici, vous voyez ici, on voit ici. On voit ici le premier rang qu'on a fait avec une aiguille hors travail pour commencer nos côtes. Donc on va suivre cette ligne là. On va prendre la première maille, on va la déposer. Et voyez ici, là où on voit qu'il n'y avait pas de maille, il n'y avait pas d'aiguille, on va déposer ici. Celle-ci. Ici. Voyez, on voit tout de suite. Là, c'est l'endroit où il n'y avait pas les aiguilles pour faire la côte de 1. Donc, on va faire comme ça. On va redéposer sur l'aiguille ici qui était hors travail. Moi, je les ai remontées. Et on dépose ce brin de laine ici sur les aiguilles. Comme ça. Et la dernière, sur la dernière, on dépose la maille au bord. Voilà. Après, si vous voulez, vous pouvez redéposer une maille sur les aiguilles. Mais bon, moi, en principe, je ne le fais pas parce que comme c'est à l'intérieur, on ne voit pas, on voit rien du tout. Après, si vous voulez le faire... Le déposer, vous prenez une maille et vous redéposez comme ça. Voilà, et vous n'êtes pas obligé de le faire. Ce qu'il faut, c'est déposer le fil là où il n'y avait pas d'aiguille pour tricoter les côtes, comme ici par exemple. Vous voyez ce qui sépare les deux mailles. Donc on fait un rang à 9 comme ça. Et après, on va arrêter avec son crochet. Ou vous arrêtez comme vous avez l'habitude, avec le fil. Vous pouvez très bien arrêter avec le fil. Hein. Il n'y a pas de souci. Chacun fait pour avoir le plus d'aisance possible. Donc, pour arrêter avec le crochet, on monte ces aiguilles, on prend une maille avec le crochet comme ça, on le passe dans l'autre maille et on tire une maille, on met la maille derrière le crochet, on prend la maille et on tire. Après, je vous dis, si vous êtes plus à l'aise pour arrêter avec le fil, vous faites avec le fil. C'est pas une obligation de faire comme ça. Parce que comme ça, ça fait une chaînette. Avec le crochet, ça fait une chaînette.
la dernière maille, hop, et vous tirez le fil. Voilà. Donc vous tirez bien pour que les côtés soient beaux. Donc vous voyez, on a. Alors attendez, je vais vous montrer. Pour que vous voyez bien. Donc vous voyez ici, on a les côtes. On va devoir faire une couture ici de chaque côté et une couture pour le pouce. Et ici on a notre fameuse ici qu'on a relié, vous voyez, on a remonté les aiguilles de chaque côté. Voilà ce que ça fait sur le côté de la moufle, vous voyez. Voilà. Donc ici on va devoir coudre et puis de chaque côté de côte. Donc je vais faire mes coutures et puis je vous retrouve après. Ah oui, ici, alors ici on a la moufle. Je vais la mettre. Bon, le pouce n'est pas cousu, mais c'est pas grave. Vous voyez, voilà. Et ça, ici on a le pouce. Alors pour faire l'autre moufle, il faut que vous fassiez le pouce de l'autre côté. Hein. Sinon vous allez vous retrouver avec les deux moufles avec le pouce du même côté. Si la première moufle, vous rajoutez les 7 mailles, vous rajoutez cette aiguille côté gauche pour faire votre pouce, et bien l'autre moufle, vous rajouterez cette aiguille mais côté droit. Sinon vous allez avoir la même moufle pour les mains. Vous allez avoir la même main quoi. Voilà. Donc je vais faire mes coutures et puis je vous reprends après. À tout à l'heure. Voilà, la moufle est terminée. Donc j'ai fait mes coutures ici sur le côté des côtes ici, la couture au pouce ici. Voilà. Donc vous voyez ici les rangs raccourcis, ici ben, la couture qu'on a là de chaque côté, on a remonté les aiguilles de façon à ne pas avoir de couture à faire. Voilà, donc ben, elle me va bien, hein. Donc, comme je vous ai dit, vous prenez bien les mesures pour qu'elle vous aille bien à votre main surtout. Voilà. Donc ben, j'ai bien aimé faire le tuto. Ça change un peu que des moufles qu'on fait en faisant une couture tout le long de chaque côté de la moufle. Donc ici, vous voyez, on n'a pas de trou. Et, comme je vous ai dit de reprendre avec le fil, quand on reprend les mailles ici, comme je vous ai montré. Voilà, comme ça il n'y a pas de trou nulle part. Alors surtout n'oubliez pas, comme je vous ai dit, quand vous faites la première moufle, vous faites le pouce côté droit en augmentant en mettant 7 mailles en plus. Pour l'autre main, vous mettez inverse, vous mettez si vous faites à gauche la première main, vous faites à droite la deuxième main. Voilà, la deuxième moufle. Voilà, donc le tuto est terminé. J'espère qu'il vous plaira, donc n'hésitez pas, si mon tuto vous plaît, de mettre un pouce, un petit commentaire si vous avez le temps. Ben, ça fait toujours plaisir et ça encourage à faire d'autres tutos. Donc selon l'heure où vous la regarderez, ben là je vais vous souhaiter une bonne soirée. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bisous bisous.